Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous sommes chez Dédé. Salut Dédé. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Tranquille. On est sur un terrain privé. Donc déjà, je te remercie déjà de nous avoir invités. Il n'y a pas de quoi. Dis-moi en quoi tu roules, Dédé? En 125, mais c'est pas la mienne. C'est je ne montrerai pas Dédé, je montrerai les pieds du papa de Dédé qui veut pas se faire voir. Alors toi, tu roules avec quoi de beau, dis-moi? Avec celle-là, là. Donc la petite bleue. Bah, enfin, c'est celle-là, mon frère. Ça, c'est celle-là, ton frérot. Ouais. Et c'est quoi de base? Vas-y, dis-moi vite fait. 125 KLX. 125 KLX, de quelle année tu sais à peu près? Il est de 2001. 2001? T'as assez propre et donc deux temps, c'est ça? Ouais, deux temps. Tu roules depuis, depuis longtemps celle-ci ou de temps en temps? Elle est toute neuve, on l'a, ça fait 3 jours qu'on l'a. Ça fait 3 jours que tu roules avec celle-là? Ouais. Ah ouais, donc tu vas être comme moi. Ah non, t'as peut-être un niveau 100 fois, non? Très bas. Donc t'es comme moi, on ouais, est. Ça, on... Ouais, ça bas, c'est ouais. Parfait. Là à côté, on a un stunter apparemment. Là, ça roule avec quoi de body, moi, toi? Je t'appelle comment? Lucas. Donc Lucas, enchanté. 250 SX, magnifique, et très joli. 400 XX. Et ça c'est, alors par contre celui-là il va pas rouler avec nous lui, hein, avec les roues. Je l'ai serré la semaine dernière. T'as serré le moteur? Ouais. Ah, ça c'est cool ça. Ouais, c'est un peu plus emmerdant. Bon ça va, non, tu wheeling un petit peu avec celui-là? Ça c'est plus ma cam, tu vois, ça je sais gérer. Ouais. Ça beaucoup moins. Ça ouais, dès que ça arrive dans les tours, c'est nerveux. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Ça développe combien de chevaux, genre de bébête? Je sais pas du tout. Tu sais pas? Non. Bon, en tout cas, les gars, en commentaire, si jamais vous savez comment ça développe, j'y connais R en cross. De toute façon, on va prendre tout en commentaire, de toute façon. Donc, toi, ça fait longtemps que tu roules avec celle-ci? Non, je l'ai acheté il y a 2-3 mois. Je vais pas rouler énorme, j'ai dû rouler 6-7 heures à peu près. 6-7 heures? T'avais toujours eu celle-ci? Enfin, t'as acheté celle-ci ou t'avais d'autres, une autre avant? J'avais mon 400. T'avais celle-là? Ouais, ça doit faire peut-être 2 ans que je l'ai. Ah, ça va! Ouais. J'ai fait un peu de cross avec. Donc, tu fais plus de route que de cross? Non, ou l'inverse, plus de cross ouais. Que de route. Ouais. D'accord. Parce que celle-ci avant avait les pneus cross avant, ouais, pas enduro. J'ai la double monte, ouais, j'ai les pneus enduro, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord, ok. Bon bah ça c'est impec. Et là nous avons Steven. Enchanté Steven. Enchanté. Donc toi Steven apparemment lui il est un peu chaud je pense. Steven tu roules avec quoi de beau? 300 EXC. 300 EXC. Qui est donc là-bas. Ouais. Il est de quelle année ton 300? 2019. Il est magnifique, deux temps aussi. Ouais. J'ai une question rapidement. Tu es fan du 2 temps ou du 4 temps? 2 temps! Parce que moi je suis fan du. Il a fallu un moment à s'adapter, mais c'est le 2 temps. C'est vrai? Ouais. Parce que moi je déteste le 2 temps. Ah non, c'est 2 temps sûr. Mais pourquoi? Pourquoi le 2 temps? Ah, parce qu'il a fallu s'habituer à cause de copains qui m'ont dit si, le 2 temps c'est bien! Ouais, ça le coupe. C'est vrai? Dès que ça part, ça. Mais parce que moi, franchement, après moi j'aime bien les wheeling, tu vois. Mais le 2 temps en wheeling, j'ai aucun feeling. Vraiment. Ouais, non, ça fait peur. Hein. Bah ça fait. Ouais, ça, ouais, c'est ça. C'est ça le juste mot, ça fait peur. Tu sais combien ça développe de chevaux un petit non, peu ou pas? Je crois que je suis à 6. 6-7 je crois sur la carte grise mais... Et vraiment chevaux, tu sais pas? Ah non, pas. En fait les mecs qui roulent avec ça, ils savent pas les chevaux mais ils savent comment ça arrache parce que j'ai tellement... Non, moi si tout se passe bien, on va se faire doubler salement en ligne droite. Il faut que je vous présente aussi quelqu'un qui va rouler avec moi, qui n'a jamais essayé parce que je suis là avec les YXF les gars. Mais dites-vous que cet homme... Ah, en fait il m'a prévenu au dernier moment. Je suis arrivé ici, il me fait en fait lundi tu repars pas en fait on va faire de la YCF. J'ai fait ouais mais je suis en full cuir, il me fait je m'en branle. Il est en full cuir. Du coup c'est ça qui est le plaisir en fait. Donc ça va être magnifique, il est en vraiment full cuir. Il va être beau de ouf sur la 150. Cet homme magnifique. Ce modérateur Twitch qui va venir aussi rouler. Cette demoiselle qui a déjà roulé en quoi? T'as déjà roulé un peu en cross? Ouais, vite sur un champ, en 250 CRF 2019. Bon bah ça va, nickel. Il y a un moment, tu sais ce que je ferai gros? Vite fait. Tu, quand tu seras chaud, tu prendras la 190. Ouais. Et je te passerai la 150 et je vous ferai tourner un petit peu. Merci. Moi j'ai juste envie de voir un petit peu Amaury dans un virage et toi qui arrive et qui prend un petit virage relevé comme il faut. Bon bah les gars, on va s'équiper et puis on va tourner, on va découvrir le terrain et après bah let's go, c'est parti. Hein. Bon mon secret. La première. Tu descends tout? Quand tu lèves, t'as la première, 1, 2, 3, machin. Ce qu'on fait de toute façon, c'est que tu vas me suivre. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que là, on va accélérer là. On fait un petit virage et on va avancer tout doucement, d'accord? D'accord. En mode vraiment, en mode découverte. Hein. Tranquillos, ok? Un peu mouillé ici.
Ah oui d'accord, ok. Mais ils ont un terrain génial. Le terrain il est génial. Ah ouais, faut juste faire attention là-bas. La deuxième ligne droite elle est pas si longue que ça. Parce qu'après ça tombe tout de suite à gauche, mais tu vas voir. Regardez-le. Voilà. Regardez, Secret, vous voyez qu'il se fout souvent de ma gueule là sur les jeux vidéo là. Allez, on va s'amuser un petit peu tranquillement. Et on voit toujours sympathiquement. Oh là là. Interviewer quelqu'un vite fait pour lui poser 2-3 petites questions. Est-ce que je peux te poser 2-3 petites questions sur cette magnifique petite chose? Oui. C'est quoi comme modèle? La 125 Case de 2007. Ouais. C'est les kits d'origine ou pas? Ça c'est d'origine.
Ça c'est tout d'origine, ouais. T'as rien changé dessus. En à part un petit kit déco. En esthétique, non, c'est que de, des pièces d'origine. Et ça, ça développe combien? C'est pas trop? C'est de 42 chevaux. 42 chevaux. Ah, elle est magnifique, hein. Avec les petits habits vaches. Bon bah les gars, on va faire tester Amaury. Monsieur qui a une 50, pas plus de gaz. Nous avons actuellement Missodo qui arrive. Alors Missodo c'est une privée de joke, ce n'est pas par rapport à ce que vous pensez. Tiens regarde, là il y a un beau gosse. On a pas eu le temps de le voir. Putain, on a pas eu le temps. Oh, ouais. Oh la vache. Ah ouais, lui il saute là et il arrive là-bas lui. Ouais, tiens regarde, regarde. Regarde qui arrive. Allez, ne cale pas. Ne cale pas. Là les gars, on va voir un professionnel qui a calé. Normalement il va la redémarrer nickel. Comme un professionnel. Parce que là il y a des gens qui savent kicker là. Ça s'est pas kické, ça s'est tombé, ça s'est tombé. Ça s'est tombé aussi. Vous êtes tombés tous les quatre en fait déjà. La team des pas d'équilibre. Yeah.
Putain, elle envoie celle-là. Alors les gars, essayez de trouver le problème qui se passe avec cet homme. Pour faire simple les gars, il a les deux pieds dans le plâtre, hein. Enfin dans la telle. Regardez les pieds. Mais comment les chaussures passent entre le sélecteur et le... Ah, c'est avec leur taille. Oh là 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 là. Il a les deux pieds dans la pelle. Oh mais cet homme est un malade mental. Les gars, il a les deux pieds dans la telle. Et regardez ce qu'il fait. Et pendant que nous, on est en premier en train de se chier dessus. Partons. Ah, c'est bon ça. On s'est bien roulé. Je vais me faire doubler. Oh, oh la vache. Le petit secret avec la 150. Regardez Boss BG. Voilà. C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, normal, normal, normal. Eh, hey, t'as fait des petits sauts. Des jambes, qu'est-ce qu'apprennent. Ah bah là, gros, faut y aller. Hein. Ah, c'est trop bien. Hein. C'est trop kiffant, on est d'accord. Puis le terrain, il est... T'as vu au milieu des petits ornières, faut faire gaffe. Gros. T'es passé devant moi à pleine balle, je te suivais, j'ai pas vu que derrière ils ont encore d'autres ornières maintenant. Et bah j'avais l'avant qui voulait sortir, donc je partais sur la droite. Bon bah c'est pas t'as kiffé quoi. Ah ouais, de fou. Les gars, ça va acheter sur un mini moto si peu de temps. Ça va partir sur la YCF ou autre chose. Ouais. Tiens, beau gosse là. Là-bas, jumping. Et toi, t'es en deux, tu passes ça en mode vague et tu te chies dessus. Oh l'arbre! Oh l'arbre! Bon bah les gars, on va finir sur un magnifique jump. Hein. Dit quoi, allez, abonne-toi, gros bisous et merci encore Lulu, merci Dédé, merci à toute l'équipe de m'avoir permis de faire cette journée là, ça fait grave plaisir. Bien joué à toi. Je l'ai encore ou pas? Tu vois quoi? J'ai accroché une branche. Non, j'ai pas vu de branche, mais par si, contre j'ai vu des grands sauts de ouf. Voilà les gars, c'est ce genre de personne qui a un niveau de ouf. Bah merci à toi encore en tout cas. Hein. Pas de rien. Ça fait grave plaisir, il nous a donné des petits conseils pour qu'on s'améliore. Et puis bah voilà, hein. Prochaine fois on reviendra et on s'améliorera encore. Et il y aura des gros jumps de malade avec ce genre de personnes. Faut s'amuser surtout. Faut s'amuser, exactement. Bon allez les gars, à la prochaine, ciao ciao, bisous.